Parce que pour mettre en route, c'est le grand qui le fait, il faut quand même du temps. Bien, réamorcer. Deux identiques, trois. Et d'autres temps, trois. Un suffit pour alimenter l'ouvrage. Ça c'était la salle radio. Dans chaque pièce, vous verrez qu'il y a ce genre de choses. Et en fait, vous allez voir, écoutez, c'est des téléphones portables que n'importe où nous sommes, vous branchez, rangez les gens ici, là c'est tout. En fait, le génie français l'a laissé il y a 30 ans. Il l'occupait, il l'entretenait un peu. Avec le coffre-fort, on n'a jamais trouvé la clé. Hein. Ah. Été. Il n'y a rien dedans, vous le savez quand je l'ai laissé. Il n'y a pas des lingots d'or, on ne les cache pas. Bon, alors ça, c'est une réplique, une vraie carte qu'il y avait ici. Là, vous avez la frontière italienne, rien. Et on se protégeait, par exemple, une attaque des As, c'était notre ressort qui nous défendait. Et en cas qu'il n'y ait pas de gouvernement, qui est plus courant, qui n'est plus rien, on a des ouvertures à l'air libre. Et le fort d'en face, dans la même optique, et avec le morse et une ampoule, il faisait du morse. Voilà. Alors là, c'est une chambre d'air. Oui, la chambre de vis, c'est par l'eau de refroidissement des moteurs. Vous avez vu à l'entrée. Comme ça, quand on chauffe, comme ça ressort. Okay, ça a alimenté pour l'infirmerie des plusieurs formes, parce que ce qui monte dans l'un et dans l'autre, les efficaces sont incomplètes. Voilà.
Il y a pour ça la nièce s'est recueillie ici, c'est vrai, ça va. On s'est rendu, c'est devenu un musée. Les inventions qui sont faites les unes les autres. Ah voilà, oui, oui. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'état de notre. Ça, c'est la salle d'opération. Bon, c'est des instruments, et la plupart on les a donnés. C'est des cadeaux, des infirmières, Mais tout était là. Hein. Alors ça, c'est une salle du roman, je vous explique. Les toilettes. Voilà, ça, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain pour les 500 personnes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient que cet endroit, et bien sûr, que l'eau froide. Et la seule douche qui existe, c'est dans la chambre du capitaine, à l'eau froide. On monte charge, qui est un ascenseur, qui fonctionne, mais on le fait fonctionner que pour des détritus, des machins, on ne fait pas fonctionner pour. Alors là, voilà. Ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Probablement vous avez vu dans les films les mortiers de campagne, donc c'est un tube avec un pied devant. Vous lâchez votre bombe par la bouche du mortier, elle tombe au fond. Vous avez une cartouche ici qui est percutée. Ça fait exploser une charge de poudre propulsive. Et donc tout repart. D'accord ? Pour régler la portée, vous inclinez plus ou moins votre tube. Dans le mortier de forteresse, déjà bah, que le bloc soit étanche par rapport à la surpression, et également pour que les gaz partent toujours vers l'extérieur, ce qui fait qu'on n'a pas accès à la bouche du canon. Vous voyez, c'est fermé ici. Donc ce qu'ils ont, votre bombe ici, d'accord, vous remontez votre culasse, hop là, vous la fermez ici, et là vous avez un petit levier qui fait partir le coup, en fait, qui percute la cartouche. Et donc tout part. Là, vu que vous êtes à 45 degrés, pour la portée maxi, pour réduire la distance, vous faites ce qu'on appelle un emprunt des gaz. Donc à l'arrière du tube, vous avez un aimant, donc en forme de triangle, qui fait que le tube tourne sur lui-même pour prendre des charges entre les ailettes. Mais comme ça fatigue le tube, ça se faisait pas en temps normal, c'est vraiment s'il y avait une. Donc vous voyez pas, en fait, votre élection au fond du fossé, on passe par-dessus, et c'est un tir parabolique, donc pour pouvoir courir des ballons et même tirer derrière les autres colis. Les coordonnées arrivées là depuis le transmetteur d'ordre, et les gars réglés, vous avez des volants gradués, et comme tu as dû vous dire, tous les points de passage avaient été repérés avant la guerre. Donc voilà, là, on peut se régler ici. Alors après, de temps en temps, on a une question, c'est les ascenseurs et le personnel servant pour. Des questions ?
Quatre mortiers, alors, en définitive, tout l'ouvrage est fait pour. Enfin, ben, il y a quatre mortiers de 80, deux tubes de 75-31 et deux tubes de 75 sous forêt. D'accord. Et là, donc, ils couvraient tout ce qui était accès. Ben, comme vous avez vu là sur la carte dans le PC, les forts sont distants d'à peu près 2 km et la tourelle a une portée de 12 km. Donc en gros, il couvrait, chaque fort couvrait le mortier. Ah oui, bien sûr. La canne originale del mortaio. La canne. C'est un équilibre. Ils ne sont pas venus dans l'axe de tir de ces pièces-là. Grâce à ce. Dans la zone des deux ans. Ben, disons que vous avez la frontière, les forts tout le long. Et chaque fort peut tirer vers ses voisins. D'accord ? Pas vers les canons. C'est pas agressif. Imaginons, c'est de la défense. Maintenant, on ira quoi ? Et fort, c'est quoi le coup ? Non, après. Le cas, c'est fini. Non, c'est chaque. 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 Non, c'est Donc la guise à côté est sur le coup, on tirait, les deux on tirait pour l'aspirer la libération. Ça manque encore la roba. Alors, quella lì, quella di Nieva, questa è. Spesso e volentieri siamo lì a lavorare. Vous avez 2,50 m de béton armé, 2,50 m, 2,50 m de béton armé, plus ce petit blindage qui ne sert pas à la résistance du bloc, mais qui sert lorsque vous avez. Non. Enfin, oui, ça pouvait aussi aider au coffrage, mais surtout, c'est que le port ne risque rien, 2,50 m de béton, il ne bronche pas, mais il y a des petits blindages. Donc, avec ces plaques, ça permet de ne pas voir ça. Mais quand il n'y a pas d'arbre, en cas de emploi de courant, tout ça, le fort d'en face, il réglait pour trouver la cible et on faisait en morceaux. C'est un robe qui est là-bas. Ça, c'est l'observatoire du petit volcan qui est sous la piste du Ah.